Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo la première partie du second chapitre. Donc, après avoir vu un bon rappel concernant les réseaux informatiques et une brève introduction sur la sécurité informatique, nous allons parler dans ce second chapitre sur tout ce qui peut compromettre la sécurité d'un réseau, tout ce qui peut nuire à un réseau. Donc, on va voir d'abord les vulnérabilités, ensuite on va voir les menaces et ensuite on verra les attaques réseau. Donc, ce second chapitre est scindé en trois parties. Nous verrons dans cette vidéo uniquement la première partie du second chapitre qui est les vulnérabilités informatiques. Voilà. Donc, on va voir une petite définition sur la vulnérabilité. C'est quoi? Donc, une vulnérabilité, c'est une faille ou là, c'est un bug pouvant être utilisé pour obtenir un niveau d'accès illicite à une ressource d'information. Si je relis cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Une vulnérabilité, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être utilisé pour obtenir un niveau d'accès illicite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accès non autorisé à une ressource d'information. À une ressource d'information, ça peut être une donnée, une machine, un compte utilisateur, dit n'importe quelle ressource qu'on peut imaginer. Donc, tout réseau dispense de plusieurs types de ressources. Des données, des bases de données, des serveurs, des comptes, des privilèges, etc. Il y a aussi, comme on voit par la suite, des privilèges supérieurs à ceux considérés comme normaux pour cette ressource. C'est-à-dire que si j'ai par exemple accès à une ressource en lecture, c'est-à-dire que si je peux uniquement lire ma donnée, donc ça c'est mon accès auquel j'ai droit, donc j'ai pas droit à plus. Si je veux avoir si je peux avoir plus que la lecture, c'est-à-dire que j'ai envie d'augmenter mes privilèges pour cette ressource. C'est ça l'augmentation de privilèges, c'est ça les privilèges supérieurs, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir pas uniquement la lecture, mais j'ai envie aussi d'avoir la modification, la destruction de la donnée, le remplacement, etc. Donc, si je ne suis pas autorisé, là, on peut dire qu'il y a une faille ou là, une vulnérabilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une vulnérabilité, c'est un problème qui existe au niveau d'un système informatique ou là, d'un réseau. C'est parce que dans notre module, on va traiter de la sécurité des réseaux informatiques. Donc, c'est un problème ou là, un bug, vous connaissez le mot bug, qui existe au niveau du réseau. Alors, cette vulnérabilité-là, ce n'est pas uniquement, par exemple, un bug logiciel, ce n'est pas uniquement une erreur au niveau du code, par exemple. Ça peut être du matériel, des règles, des procédures, un personnel. Ça peut être un être humain, par exemple, qui travaille au niveau du réseau, là, au niveau de l'entreprise. Si, par exemple, vous avez un personnel administratif qui travaille dans votre entreprise, ce personnel administratif forcément connaît des données confidentielles concernant votre entreprise. Donc un attaquant peut utiliser ce personnel-là et avoir des données concernant votre entreprise. Il peut soit lui donner de l'argent en échange des données confidentielles, il peut soit le menacer. Donc il ne faut pas voir la vulnérabilité uniquement comme un bug logiciel. Il faut le voir aussi d'une manière très générale, comme ce qui est présenté ici. Donc, cette vulnérabilité-là, on dit susceptible d'être attaquée avec succès. En d'autres termes, une vulnérabilité, c'est une faille qui est utilisée par un attaquant pour pouvoir accéder au réseau, là, pour pouvoir accéder aux données du réseau. C'est-à-dire que la vulnérabilité, c'est en quelque sorte une porte d'entrée vers le système informatique. C'est-à-dire que l'attaquant, s'il veut faire une attaque sur un réseau, là, un système informatique, il ne va pas l'attaquer directement, il va d'abord utiliser une vulnérabilité pour pouvoir entrer. Donc il va d'abord lister toutes les vulnérabilités qui existent et voir celles qu'il peut utiliser. Tout dépend ses capacités, tout dépend les moyens qu'il a, tout dépend la faisabilité, etc. Donc avant de faire une attaque, toujours on commence par identifier une vulnérabilité et utiliser cette vulnérabilité pour pouvoir faire notre attaque. Pourquoi les systèmes sont vulnérables? Donc on peut se poser cette question.
Pourquoi les systèmes contiennent des bugs? Pourquoi les systèmes contiennent des failles? Pourquoi? On a plusieurs raisons. Donc, on a la sécurité est chère et difficile. Les organisations n'ont pas le budget pour ça. Ça veut dire qu'il y a certaines entreprises qui considèrent la sécurité comme un luxe. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens d'organiser une politique de sécurité. Pourquoi? Parce que organiser une politique de sécurité, ça peut être divers. C'est par exemple recruter des spécialistes en cybersécurité, acheter du matériel pour pouvoir sécuriser. Donc il y a un budget, il y a de l'argent à mettre. L'entreprise est forcée de mettre de l'argent pour pouvoir assurer une sécurité et certaines entreprises n'ont pas les moyens de se procurer cette sécurité-là. La sécurité ne peut être sûre à 100%, elle est même souvent inefficace. Donc on ne peut jamais se dire qu'un système est sécurisé à 100%, ça n'existe pas. Il y aura toujours une vulnérabilité qui existe, même si on ne la voit pas. Donc les vulnérabilités continueront à exister. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un développement technologique. Les attaquants sont toujours à la recherche de nouvelles attaques, de nouvelles vulnérabilités. Si vous pouvez voir, même les très grandes entreprises comme Google, comme Microsoft, se font attaquer de temps en temps. Pourquoi? Parce que il y a toujours de nouvelles attaques qui émergent. Il y a toujours du nouveau en technologie, dans la science en général, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on ne pourra jamais se dire qu'on est sûr à 100%. Ou là, on a un système qui est sécurisé à 100%. Il n'y aura jamais ce 0% de risque d'attaque. Il y aura toujours au moins 1 ou la 2 ou la 3%. Il y aura toujours un petit pourcentage pour une attaque, pour une éventuelle attaque. La politique de sécurité est complexe, c'est basé sur des jugements humains. Donc, toute politique de sécurité, c'est un être humain qui l'a fait. C'est un ensemble d'ingénieurs qui la font. Donc, qui dit être humain dit jugement. Donc, un être humain n'est jamais fiable. Pourquoi? Parce qu'il peut changer d'humeur, il peut changer de comportement, il peut changer d'avis. C'est-à-dire que si vous avez un employé, s'il travaille chez vous, vous ne pouvez jamais être sûr que c'est une personne sûre, que c'est une personne qui ne compromettra jamais votre entreprise. Par exemple, si vous n'augmentez pas le salaire d'un employé, il pourra se venger. Si vous avez un problème avec un des employés, il pourra aussi se venger. Donc, il peut changer d'attitude. Si un employé, on lui donne de l'argent juste pour nuire à votre entreprise, il le fera, certains le feront. Donc, l'être humain, c'est pas comme une machine. Si on programme une machine à jamais, par exemple, si vous avez au niveau de la porte d'entrée de votre entreprise, par exemple, vous allez autoriser uniquement les personnes qui ont le badge, le personnel. Si par exemple certains n'ont pas, ils peuvent demander aux gardes qui se trouvent à la porte de les laisser passer. S'ils les connaissent, s'ils leur donnent de l'argent, etc., ils peuvent les laisser passer. Mais si vous avez une machine, une porte intelligente, si vous la programmez en tant que si vous ne présentez pas votre badge, vous n'avez pas accès, et bien, si vous faites tout, elle ne vous laissera jamais accéder, même si vous lui la suppliez. Donc, l'être humain, c'est un élément non fiable au niveau de n'importe quel système. Pourquoi? Parce qu'il peut changer. C'est pas une machine. L'être humain n'est pas une machine. Les organisations acceptent de courir le risque, la sécurité n'est pas une priorité. Il y a certaines entreprises qui ne prennent pas en considération ce que peut faire une attaque, tous les dommages que peut faire une attaque. Ils voient l'attaque comme quelque chose de vraiment pas important, la sécurité comme quelque chose à ne pas privilégier. On n'a pas, certaines entreprises n'ont pas cette culture de sécurité et la considèrent pas comme une priorité. Donc, il y a certains qui ne la mettent pas en place juste parce qu'ils voient qu'une attaque, ce n'est pas aussi grave que ça, alors qu'ils se trompent. De nouvelles technologies, donc vulnérabilités, émergent en permanence. C'est ce qu'on a dit avant, c'est que les vulnérabilités il peut y avoir de nouvelles vulnérabilités à chaque instant. Donc, vu le développement technologique, on peut développer de nouveaux outils pour accéder au réseau, etc. Donc,
il y a de nouvelles vulnérabilités qui émergent en permanence. C'est pour ça qu'on peut dire, qu'on peut jamais dire que notre système est sûr à 100%, ou là, il ne comporte aucune vulnérabilité. Ça, c'est faux. Les systèmes de sécurité sont faits, gérés et configurés par des hommes. L'homme, c'est l'élément, c'est le maillon faible en sécurité. Donc, c'est l'élément le moins fiable au niveau d'un réseau ou là de n'importe quel système informatique. Donc c'est pour ça que les systèmes sont vulnérables. Même si vous mettez en place une politique de sécurité, vous aurez toujours ce petit risque d'existence de vulnérabilité. On va donner quelques exemples de vulnérabilité. Utilisation de mots de passe non robustes. Si vous utilisez un mot de passe de type admin, de type date de naissance, de type nom de votre enfant, un mot qui existe dans une langue spécifique. Donc ça, c'est des mots de passe qui sont très faciles à trouver. Il y a des logiciels qui permettent, par exemple, de parcourir un dictionnaire. Donc il parcourt un dictionnaire mot par mot. À chaque fois, il essaye le mot, la case mot de passe. Donc, ça se fait de manière automatique. Donc si vous utilisez un mot qui existe déjà, ça sera facile de le trouver. Si vous utilisez un mot de passe court, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas beaucoup de caractères, il sera encore plus facile à trouver. Si vous utilisez des dates de naissance, il peut y avoir un programme qui va parcourir des dates de naissance allant par exemple de 1900 jusqu'à 2020. Donc il y a des outils qui existent dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser des mots de passe où il y a un mélange de caractères, de chiffres, de lettres. Il ne faut pas que ce soit des mots qui existent. Il ne faut pas que ce soit des phrases. Il ne faut pas que ce soit des mots qui existent dans une langue. Voilà. Il faut que ce soit une chaîne de caractères quelconque. Utilisation de mots de passe connus. Admin, AZERTY, 1, 2, 3, etc. Donc ces mots de passe-là, ils sont généralement par défaut. Par exemple, si vous achetez un modem, le mot de passe sera toujours, le compte utilisateur sera admin, le mot de passe sera admin. Donc c'est un mot de passe par défaut. Il y a certains outils qui utilisent tous ces mots de passe-là par défaut qui existent au niveau de tout matériel qui existe par exemple, et ils les testent. Donc si vous laissez vos mots de passe par défaut, un attaquant pourra utiliser cet outil-là pour trouver le mot de passe. Donc il faut toujours ne pas utiliser des mots de passe non robustes et non connus. Présence de données sensibles dans le code d'une page web. Donc, le code d'une page web, généralement c'est en HTML. On sait que HTML c'est un code qui est public. Donc, on peut le voir. On va voir par exemple ici. Si on va dans le site de l'USCHB, allez, on va ici. Alors, vous avez deptinfo.schb.dz, vous avez la page web, on peut avoir le code source de la page. On va ici avec le bouton droit, code source de la page, vous avez ici l'HTML. Voilà, c'est un code. Certains, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas oublier par exemple leur mot de passe? Ils le mettent dans le code. Ils le mettent par exemple ici en commentaire. Voilà, je peux mettre ici par exemple mot de passe, XXX, je peux mettre mon mot de passe. Par exemple, et je me dis, même si j'oublie, je vais aller voir dans le code et je le trouve. Si je le mets de cette façon-là, comme ici, c'est en commentaire. C'est-à-dire que c'est une phrase qui ne sera pas compilée. Donc ça ne s'affichera pas. Voilà, les commentaires ne s'affichent pas en programmation. En commentaire en HTML, ça se fait comme ça. Je mets mon mot de passe ici. Donc il y a certains qui mettent leur mot de passe ici. Et ils ne se rendent pas compte que le code HTML, il est public et peut être vu par n'importe quelle personne malveillante. Donc si vous mettez votre mot de passe ici, vous courez un grand risque. Ou là, vous mettez des données sensibles, un compte utilisateur, une clé cryptographique. Donc ça peut être divers données sensibles que vous ne devez jamais mettre au niveau du code d'une page web. Présence de comptes non protégés par mot de passe. Il y a certains comptes. Par défaut, par exemple, par exemple, des comptes invités, ils ne possèdent pas de mot de passe. Si par exemple un attaquant arrive à accéder à un de ces comptes, s'il accède, maintenant il est au niveau du réseau, maintenant il est au niveau du système informatique. S'il est au niveau du système informatique, il peut faire des actions, alors que s'il était en dehors du réseau, il ne pourra pas les faire. Donc même si vous considérez que c'est
que ces comptes n'ont aucun privilège, ou là on ne peut pas les exploiter, ou là ils ne servent à rien, vous devez toujours mettre des mots de passe à tout compte qui existe au niveau de votre réseau. Utilisation de systèmes d'exploitation non mis à jour. Par exemple, si vous utilisez de nos jours Windows XP ou la Windows 7, c'est des systèmes d'exploitation qui ne sont plus mis à jour par Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que généralement, dans les systèmes d'exploitation, il y a toujours des vulnérabilités ou des bugs qui existent. Microsoft s'en rend compte, par exemple, si vous rencontrez un bug, vous pouvez envoyer un message à Microsoft et lui dire voilà, on a trouvé un bug. Ou là, les spécialistes qui travaillent au niveau de Microsoft essayent de voir s'il y a des vulnérabilités qui existent ou pas. Donc, à chaque fois qu'ils rencontrent une vulnérabilité, ils essayent de la corriger. Et quand ils la corrigent, ils font une mise à jour à tous les utilisateurs dans le monde qui utilisent ces systèmes d'exploitation. Donc, ils programment cette mise à jour. Donc, un système qui est mis à jour est un système qui ne comporte plus des vulnérabilités qui existent. Il est toujours mis à jour. Contrairement à un système qui n'est pas mis à jour, c'est-à-dire que s'il y a une vulnérabilité qui va arriver, Microsoft ne le met plus à jour. C'est pour ça que, par exemple, Microsoft nous dit de ne plus utiliser Windows XP ou Windows 7, parce qu'elle ne les met plus à jour. Elle met à jour le 8 et le 10, par exemple, et le 8.1. C'est-à-dire que si vous utilisez des systèmes d'exploitation non mis à jour, il va forcément y avoir de nouvelles vulnérabilités qui vont apparaître. Et ces vulnérabilités-là, elles ne seront pas corrigées. Et si elles ne sont pas corrigées, elles peuvent être utilisées par des attaquants. Voilà. Paramètres de configuration par défaut gardés, des mots de passe gardés, des noms d'utilisateurs gardés. Par exemple, si vous avez un compte administrateur, il est toujours en admin, essayez de le changer. Essayez de mettre le nom du gérant ou un nom qui ne peut pas être vu en tant qu'administrateur. Ne jamais laisser les données de configuration par défaut, par exemple au niveau du modem. Quand vous achetez un modem neuf, vous avez toujours la plage d'adresse qui est attribuée aux adresses au niveau par exemple du modem Wi-Fi. C'est le 192.168.1.0/24. C'est toujours cette adresse réseau qui est utilisée pour adresser toutes les machines au niveau du réseau local. Donc, si un attaquant déjà il parvient à accéder au réseau local, si vous ne modifiez pas cette plage d'adresse, il le saura tout de suite parce que ça, c'est une plage d'adresse qui est par défaut. Donc, il va commencer à les pinguer, à voir s'ils sont up ou pas, etc., à simuler des attaques. Si déjà vous changez les adresses, ça sera encore plus difficile pour lui de trouver déjà la plage d'adresse. Donc, vous allez lui mettre une certaine barrière ou un certain laps de temps pour qu'il puisse trouver cette plage d'adresse. Nom et adresse IP d'un modem Wi-Fi par défaut, ça on l'a déjà dit. Port d'un switch inutilisé allumé. Donc, on a un switch, il possède un certain nombre de ports, 24 ou 48 ports. Vous utilisez par exemple uniquement 3. Donc 3, ils sont reliés à des machines, par exemple au niveau de l'entreprise. Si les autres restent toujours allumés, qu'est-ce qui se passe? Si l'attaquant il arrive à accéder au local par exemple de l'entreprise, s'il branche son PC, c'est-à-dire qu'il sera connecté au niveau de votre réseau. Il pourra par exemple envoyer un virus ou là envoyer un mail de hameçonnage. Il peut envoyer quelque chose, il peut faire des actions. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve connecté au réseau. Donc, ce qui est bien de faire, c'est toujours de désactiver les ports qui sont utilisés. Comme ça, même s'il branche son équipement, ça restera toujours rouge. Il ne pourra pas. Il ne sera pas considéré comme étant connecté au réseau, etc. Donc on peut avoir plusieurs exemples de vulnérabilités. Néanmoins, l'homme reste la plus grosse vulnérabilité qui existe dans n'importe quel système informatique. Donc l'homme peut changer d'avis, changer d'humeur, changer de camp. Donc tous les gens qu'on recrute, on ne pourra jamais être sûr qu'ils sont fiables, qu'ils seront toujours... disponible et juste envers l'entreprise ou envers le réseau. Voilà, donc l'être humain, c'est le maillon faible en sécurité informatique.